Pour continuer Borderlands 2 sur un DLC qui au début était ouf et qui en fait peut-être pas. Enfin, des monstres à plantes vertes, ça m'embête pas puisque c'est en vrai. T'as l'abandonné. C'est le désert ça, non? J'espère que ça aura vraiment un lien avec la suite du jeu. Merde, sinon... Alors vous êtes équipe avec ce bandit d'Helios. Ça m'étonne pas. Il s'est jamais fait prier pour me donner ses canons de tir lunaire. Comme ça, je peux lancer mon gaz absolument n'importe où. On s'adapte, on recycle. C'est ça, ma stratégie. Et si vous en aviez une aussi, vous pourriez connaître le coût de la victoire. J'ai vraiment hâte de tuer ce type. Apporte ces échantillons à Tanis. Je m'occupe de retrouver les pillards. Tanis, je vous ai pas trouvé après l'attaque. Vous êtes en sécurité? Non, tout à fait. Je suis en sécurité dans l'un de mes nombreux abris cachés. Merde. Très pratique quand on vit constamment dans la panique. Mais assez plaisanté. Apportez-moi ces échantillons et on aura bientôt notre propre armée de plantes mutantes. On se retrouve parfois à frapper plus fort quand on se bat près d'une poche. Non. Gaz. Étrange, mais ça peut être utile. Faites quand même très attention à votre niveau d'exposition. Sauf si ça vous excite, les lianes qui perforent les orifices. Et dans ce cas, j'ai des romans et contes qui pourraient vous intéresser. Je ne sors pas sans, ici où on juge personne. Cherchez des bulbes fermées. Je veux des spécimens. Le meilleur robot. Je vois que le gaz a aussi infecté la faune locale. Chasseur de l'arche, trouvez-moi des échantillons de skag infectés. Ouais. Sirène. Ah putain, c'est ça les sports. Oh là. Pas d'autres fleurs encore ou quoi? Dans une? Le gaz a été soigneusement conçu pour augmenter la biomasse à une vitesse exponentielle. Pour les bulles, le gaz prend une petite plante pour en faire une grosse et oui, oui, oui. Le bourgeon. Oh. Ah oui, ok. C'est bon. Tilt. C'est déjà. Ma dernière putain de fleur infectée. Bon, mis point d'XP, je dis pas non, putain, vache. Oh, me fait chier. Cette arme là me fait chier aussi. Ouais, pas de vibrer. Ici. Eh, ils vont pas me faire chier pour que je trouve une fleur quand même. Je suis pas hypé du tout sur parler de DLC au final.
par des échantillons, notamment de matière cervicale, ce que j'aime à appeler la purée grise. C'est vrai qu'on est scientifique avec nous. Mais en fait, c'est une team meuf ou quoi? Dans le jeu maintenant? Attends. Ouais, une petite. Ah putain, fallait que je prenne l'ascenseur dans. Ok. Attends. Aïe. L'ascenseur est à l'intérieur, évidemment. Bah oui, il était là-bas. Par contre, les 4 secondaires, je crois que je vais les sauter. Hein. Ok, bah tu chantes, tu es les. Putain, mais pourquoi je crève en même temps que mon ennemi, putain. Je suis incroyable. La structure de cet ARN messager est délicieuse. Toi, tu me titilles. Thanis. Oh oui, j'ai donc, comme on dit, gardé ma combinaison de classe 5. Plus que quelques échantillons, chasseur de l'arche. Bien joué, que j'approche des conclusions. Mal les enculés. Ça se voit que je suis pas sur niveau ce coup-ci. J'ai dû faire un tour à l'arrêt. Dans la zone. On se retrouve au campement.
débarquer là avec votre arme de prédilection. Comme je dis toujours, les spécimens sont immondes. Putain, c'est quoi ça? C'est familial. Une meilleure grenade. Je sais pas combien de temps il dure le DLC. Du coup, je sais pas si on aura fini ce soir ou pas. Je vais pas stream tard parce que demain boulot. Ces échantillons aussi vite que possible. J'ai fait tous les préparatifs et je me suis entièrement dévêtue pour qu'il ne reste plus rien entre cette combinaison de laboratoire en fibres synthétiques et moi-même. La sensation est fort agréable. C'est moi, pardon. Oui, je voulais me scanner le popotin, juste pour voir, et j'ai cassé ce bidule. Il n'y a qu'à lui faire un petit high-five de bandit. Et au plaisir. J'adore ce bruit. Chasseur de l'Arche, par ici. Tanis travaille à un antidote. Pendant ce temps, on va trouver un moyen de retourner à Sanctuary. Hé hey Lilith, Griffouille et moi, on a une super vue depuis Mount Scarab. Je crois qu'on a trouvé un moyen d'accéder à Sanctuary. Mordecai, contente de t'entendre. Ah, j'allais quand même pas te laisser combattre sans moi. Oh merde! Préparez-vous! Je vois des bataillons de Batavia d'Hector qui se dirigent vers vous! Ellie, va falloir se battre. Les défenses sont prêtes? Presque. J'aurais besoin d'aide pour mettre d'autres tourelles en ligne. Chasseur de l'Arche, il y a une clé de force sur la table là-bas. Prends-la pour moi, tu veux bien? Ça répare n'importe quoi en 2-3 coups. J'ai installé un point d'étranglement à l'extérieur du campement. Active-moi ces tourelles, chasseur de l'Arche. Oh, il y a un cadre. Scooter. Enfin, bref. Parce qu'il manque qui dans ce cas, il a pas ramené Marcus, elle a pas ramené Scooter. À Murloc. Putain, des goyottes. Je me demande même si ils sont pas adaptés à mon niveau presque, en fait, bon, c'est comme les autres DLC. Il y a un niveau max qui ne passe pas. Je sais comment on dit, c'est un niveau, c'est un niveau, c'est un niveau, c'est un niveau. Bravo, Kejmar!
fabriquer d'antidote. Mais j'ai trouvé le créateur du gaz, un scientifique du nom de Cassius Lecléman. Oh, Cassius ! Je le connais, ce type. Je l'appelle tout de suite. Hey, Cassius, poteau ! C'est Vaughn ! Oh, salut, Vaughn. Je suis assez occupé. J'ai un projet secret. Oh, ok, ok. J'ai juste une petite question. C'est toi qui as monstro planté mes hommes ? Jamais je n'aurais monstro planté tes hommes. Hector a juré que... Ah, je vois. On m'a roulé dans la farine, et je travaille pour un mégalomane diabolique à mon insu. Oh, oh, désolé. T'inquiète, ça arrive à tout le monde. Je vous attends dans mon laboratoire secret. Vous y accéderez par l'ancienne mine de dalle. Je commence tout de suite à préparer un antidote. J'ai la mine en visuel, Lilith. Je te préviens si je vois quelque chose. Je compte sur toi, Mordecai. Le chasseur de l'Arche te retrouve là-bas. Et... bon. Tout simplement. On décolle toujours en hauteur. Normal, c'est un step, tu me diras. On va se faire bouffer. Il est stylé le cœur en passant une. J'ai eu le nom mais j'ai zappé déjà le nom. Il est l'heure du combat de robot. Joli tout petit. Me sens plus en plus fort. C'est Griffouille, le nouvel oiseau de Mordecai. Je crois qu'il essaie de nous dire... J'ai une nouvelle tête ? Chose. Oh, c'est tête de Cyril, ok. Et... Qu'est-ce qui se passe, Griffouille ? Mordecai s'est fait attaquer par des monstres ? Chasseur de l'Arche, suis Griffouille ! Oh, il s'appelle Griffouille. Vas-y, je te suis, hein. Eh, si Mordecai meurt... Normalement, c'est ce que je l'ai vu dans les trailers de Borderlands 3, je crois. Toujours pas de nouvelles de Mordecai. Continue à suivre Griffouille. On a déjà perdu trop de monde. J'ai une arme arc-en-ciel. On peut pas perdre Mordecai. C'est le meilleur éclaireur des pillards. On se bat ensemble depuis le premier jour. Et là, t'as Lilith qui se met dans les cailles. Pardon ? Oui, d'un instant, il est où, Brick aussi ? Après la mort de Roland, Mordecai m'a aidé à sauver les gens. On n'aurait jamais vaincu Jack sans lui. Les pillards écarlates seraient pas ce qu'ils sont sans lui. Moi c'est... je sais plus là mais tiens. C'est pas plus mort. C'est la première fois que je vois ce genre d'arme. D'habitude tu lances l'arme et il explose. Papy Mary, bonsoir Jérémy Rizou. Ici on est déjà... Okay, toi. Je te remercie et bienvenue sur le live.
Oh putain, il faut toujours que je crève quand je tue un mec. Piège mort, tue quelqu'un s'il te plaît, piège mort, tue quelqu'un s'il te plaît, piège mort, tue quelqu'un s'il te plaît, piège mort, bah, piège mort va te faire foutre. C'est bon. Putain, j'arrête pas de mourir dans ce DLC. C'est mort, putain, je repop où? Ok. On va reprendre quand même mon flingue, c'est la meilleure arme que j'ai pour l'instant. Et j'appelle piège mort qui a plus d'ennemis. Génial. On dégaille encore un corps. De scope. Putain, je suis mort encore par des bidons explosifs de merde. Lilith! Ces salopards, ils m'ont glyphosaté. Merde! Mordecai est infecté. Et c'est ma faute. Il nous faut cet antidote, tout de suite! Je le ramène au campement. Toi, traverse la mine et trouve le scientifique. Parfait. J'attends votre arrivée avec impatience. Bonne chance dans la mine de Dal. On raconte qu'elle est hantée. Hantée et maudite. Ça va lui donner. Calmez les voitures, hein. Ça je dégage, hop. À très bientôt. Ah, je commence à avoir des putains de bombes quand même. Quoi, vous pensiez que j'allais laisser mon flanc exposé à une contre-attaque? C'est le pire abat de la stratégie militaire. Sérieux?
je me suis fait chier pour me déplacer. Merci. Revenez encore. Ça dit que tu meurs. Ouais, ils sont tenaces ces véhicules, ils veulent vraiment m'en mort, putain. D'habitude je rentre dans la base, ils me laissent tranquille, hein. Ben, ils en veulent. On doit trouver comment franchir cette porte. Cassius est notre unique chance de sauver Mordecai et de reprendre Sanctuary. Le Tritanium, c'est costaud, Lilith. Va falloir une arme surpuissante et on n'a pas vraiment ça sous la main. Dis, Lilith, et le tir lunaire d'Elios? Ouais, ça pourrait marcher. Bandit, t'as passé du temps dans Elios. Tu crois qu'on devrait faire marcher le canon de tir lunaire? Ah oui, bien entendu. Mais je préfère vous prévenir, pour entrer dans Helios, vous allez devoir traverser les Burrows. Amusez-vous bien, sans mourir. J'aime pas trop me servir des armes de Jack, mais si ça permet d'avancer, je prendrai sur moi. Oh, oh, oh ouais, j'ai hâte de voir ça, survivre aux Burrows. C'est un rite de passage chez les bandits. Tu sais quoi? Si jamais tu survis, je te nommerai vice-chef. Général. Vice-chef. Vous avez ramené un soldat infecté au campement. Mince. J'arrête pas de me dire que vous avez touché le fond de la connerie et vous creusez encore un peu plus loin. Oh, on va lui faire avaler sa salive. Mais d'abord, Helios. Très bien. Donc ces tunnels, c'est le territoire sacré des bandits. Et moi, je m'assois complètement sur le code des bandits en t'expliquant comment entrer. Mais personne ne saura jamais rien, ils sont tous morts. Alors, il te suffit juste d'exploser la barrière électrifiée. Les vers des sables devraient pas s'échapper, normalement. Normalement. Là, ça devient des vrais bandits, là, ce coup-ci. Ah, mais c'est des vrais bandits. Des vers des sables comme dans le DLC d'Oasis. Mon hypothèse était la bonne.
Hector se sert de votre clé de l'arche pour produire du gaz en grande quantité. Il en aura bientôt assez pour recouvrir Pandore et créer son paradis. Mais le processus tuera tous les habitants de la planète. Nous sommes des tubes à essai dans sa centrifugeuse. Oh, alors vous avez reçu ma vidéo? J'attends votre réponse. Je veux savoir ce que vous faites là? Oh, puis on s'en fout. J'ai déjà gagné. Laissez-moi vous décrire la fin. Moi, assis sur mon trône au paradis. Et vous, mourant dans la solitude, tandis que vos branches mutent. Trop petit chemin, moi. S'en mêle comme un pretzel triste. Un point pour Hector. C'était mortel, piège mort. Quelle belle zone infectée. Comme on les aime, et ils sont pas adaptés à mon niveau, les monstres, parce qu'ils montent de level. Comme je fais pas de 4 secondaires, ça va faire mal. Ah bah, je me disais, il était où? Il était là. Ah, en fait, il était encore rejeté du groupe parce qu'il y avait encore des façons un peu extrêmes à se battre. Et meurt. J'ai pas des petites munitions petit à petit. Comme un canard. C'est un ennemi au rang. Yes, level up. Qu'est-ce qui est mieux, j'hésite. Vas-y, continue. Parce que le chemin est là-bas. J'ai eu peur pendant le jeu, je me dis, mais il est où, Brick? Il est pas censé être dans la team maintenant? C'est moi, il est là. Ok, on peut commencer cette merde. Si je suis pas l'objectif aussi.
donné que la troisième place au concours. La précision sur surfait. Sachant que je suis pas du tout précis. Il y aura une classique de merde. Plus sorte que les merdes que j'avais qui aspiraient que dalle quoi. Vous méritez une jolie médaille. En plus ça se lag. Bâtard. Allez, on continue. Je crois que c'est bon, on a nettoyé la zone, non? De l'autre côté, sérieux. On va avancer, non. Forcément que là-dessus. D'un côté, full XP aussi. Pour une fois, c'est une mission à mon level. Ah, nettoyer la zone, c'est bon. La main, tu restes là. On va faire un peu de botanique. Je te retrouve au backburner, Mastoc. Il tape un tuyau, il se casse la main, il fait bah finalement j'ai pas de fibre. Il va faire foutre. Des porteurs piratés par Hector pour massacrer mon clan. On a plus urgent à faire, Vaughn. On a besoin de ce canon de tir lunaire pour débloquer le passage vers Cassius. C'est notre seul espoir de sauver Mordecai. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Mais je te filerai un paquet de flics si t'en profites aussi pour me venger. Je vais m'occuper du tir canon lunaire, quoi. Merde, un brutal!
Et encore un côté d'un vidéo explosif. J'ai un don. Évidemment, des petits bourgeons, s'il vous plaît. Voilà, allez, on continue. Ça s'améliore. C'est quoi ces ennemis qui pop comme ça et tout là? En plus, un Goliath. Bon bah tu sens la mort. Écoutez, ils ont un niveau, voire peut-être un level plus. Ça commence à être chaud. Voilà. Parce que je peux pas utiliser l'ascenseur tant que j'ai pas tué tout le monde. Putain, mais les snappers sont vénères. Là, vous allez y avoir droit. Enlever comment? D'accord. Et sinon, vous avez réfléchi une seconde au plan d'Hector? Le type pirate votre vaisseau pour diffuser des spores mutagènes sous forme de gaz et transformer Pandore en paradis. Il se prend pas pour de la merde. Non mais franchement... Concentre. Le canon de tir lunaire. Fais-le marcher qu'on puisse exploser la porte de la mine. Et sinon, est-ce que quelqu'un saurait comment marche ce truc? Il faut qu'on arrive à forcer cette porte. Une petite seconde. Vous allez tirer avec le plus gros canon de cette monstrerie de planète et vous m'avez même pas appelé. Je suis froissé. Tina, c'est une zone de guerre entre Lyos et moi. Allez, attends, du con. Lily, chérie, j'entends bien. Mais c'est moi, ton experte en démolition. Et maintenant, le chasseur de l'arche est à l'intérieur. Et tu peux pas venir pour aider. J'ai tellement envie, s'il te plaît.
quelqu'un avec moi. C'est pas aussi simple que ça. Oh putain. C'est vrai qu'ils ont pas... J'ai jamais oublié qui là dans le jeu. Bien joué petit. Stop, je veux tirer avec le rocade dans l'espace. Putain. Oh ta mère. Déjà, prends Widas. Des max, ça c'est pas chier, c'est pas discuté, je pense que c'est l'effet des ok. Ah ouais! Tant de différence de dégâts la vache! T'approches de la salle de contrôle de tir lunaire, c'est là que j'ai fait mon serment de bandit. 4 options. La main droite sur un livre de compte d'Hyperion et la gauche sur un cœur de Skag en grand chose. Merde, je suis tellement stressé que je. En plus, une arme électrique! Putain, enfin je fais que ma collection d'armes électriques. J'ai le fusil d'assaut, j'ai le fusil à pompe, on peut plus que une bonne mitraillette électrique. Pour trouver mieux que j'ai, ça va être chaud. Un pistolet électrique, mais pour trouver mieux que j'ai, c'est chaud aussi. Ok Tina, j'espère que ça valait le coup. Je vais juste me reposer une petite minute. Occupe-toi du tir lunaire. Elle a grandi un peu là. Allô tout le monde, on ouvre ses oreilles. Cours de balistique express. Je suis le professeur Boom. Leçon numéro 1. Ces obus normaux vont même pas gratouiller une grosse porte en métal. On a besoin d'une forte pénétration du blindage. Alors pendant que moi je vais construire le missile, je vais vous demander de me trouver les explosifs qui vont dedans.